En conférence de presse d'après-match, le technicien camerounais a livré ses impressions sur la prestation délivrée par ses joueurs en dépit de la défaite. Je pense que c'est un très bon match de la part des deux équipes. Et je suis satisfait de mon équipe et de mes joueurs parce qu'ils ont démontré, malgré le fait qu'on n'a pas pu concrétiser les actions qu'on a pu avoir, qu'il y avait de la qualité, a déclaré Rigobert Somme en conférence de presse. Pour Rigobert Somme, sur la réalité des occasions, le Cameroun aurait dû remporter le match au vu des nombreuses occasions que Vincent Aboubakar et ses coéquipiers se sont créées. Si on regarde les occasions qu'on a ratées, on aurait dû marquer plusieurs buts. Le football a ses réalités et on a perdu de lucidité avant la mi-temps et on a pris un but qui nous a mis en difficulté. Dans l'ensemble, je suis satisfait de mon équipe parce que ça va nous permettre de nous préparer pour les échanges à venir, a poursuivi Rigobert Somme. Quant à l'équipe de la Russie, le sélectionneur du Cameroun a relevé le fait que l'essentiel de ses joueurs soit issu du championnat local. L'équipe russe, c'est une très belle équipe. Les joueurs se connaissent. Ils jouent tout le temps ensemble. La majorité joue dans le championnat local. Donc c'est quelque chose de très important pour une équipe nationale. Coupe d'Afrique des Nations 2023, le tirage au sort complet de la phase de poule. Le tirage au sort de la CAN 2023 a effectivement eu lieu ce vendredi au Parc des Expositions de Port-Bouët. Chaque nation qualifiée connaît désormais ses adversaires pour la phase de poule. La Côte d'Ivoire est logée dans la poule A, en compagnie du Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Le match d'ouverture mettra aux prises les éléphants de Côte d'Ivoire au Djurtu de la Guinée-Bissau. Le tirage au sort complet de la phase de groupe. Groupe A, Côte d'Ivoire, pays hôte. Nigeria. Guinée équatoriale. Guinée-Bissau. Groupe B, Égypte. Ghana. Cap-Vert. Mozambique. Groupe C, Sénégal. Cameroun. Guinée. Gambie. Groupe D, Algérie. Burkina Faso, Mauritanie. Angola. Groupe E, Tunisie. Mali. Afrique du Sud. Namibie. Groupe F, Maroc. République démocratique du Congo. Zambie. Tanzanie.